Salut à tous, bienvenue ce soir au Parnasse, ici à Nîmes, quatrième journée de Lidl Star League avec ce soir eh bien, la venue de Créteil, des Franciliens emmenés par leur coach Pierre Montaurier qui va bénéficier de joueurs bien frais pour la bonne et simple raison que Créteil eh bien, n'a joué qu'un seul match depuis le début de cette Lidl Star League pour la saison 2020-2021. Allez, c'est parti, premier pas dans cette rencontre, le petit check du début, voilà. Et le premier essai, le premier shoot. C'est bien essayé, mais c'est raté. Yannick Caron de jeu, toujours pas de but. Peut-être maintenant, avec cette attaque. Ouh, le bel arrêt. Le bel arrêt. Tamina qui avait retrouvé une solution. Et c'est un bel essai, c'est le but. Et c'est les Franciliens qui sont à l'attaque. Le bel arrêt, très très bel arrêt. Nouvelle offensive, et c'est dedans. L'égalisation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'en profite hein, comme à chaque soir de match pour faire un petit coucou aux équipes techniques de LNHTV, de Viastoria pour la diffusion de ces matchs. Et c'est le poteau Erwan Kervadec, le fils de l'ancien pivot des Bargeaux. Et le mur. Hein. Meilleur buteur du côté pour le moment. Mohamed Sanad. Et Wissam qui repart à l'assaut, des cages. De nouveau lui avec le ballon, peut-être essayer de lancer, reparti sur le côté gauche. La frappe de loin, le tir de loin. Et la réponse est immédiate avec ce petit lob magnifique signé Mickaël Guigou. Regardez. Et ils ont raison. Ils ont raison, les Nîmois. Et du côté de Créteil, on a également raison d'y aller. Magnifique, magnifique. On est de Lidl Star League. Ensuite, nous verrons les plus beaux arrêts. Oh, on a eu. Et le but. Ouais. Le but du roi de Sémi, c'est... Ici. C'est reparti dans un instant avec l'engagement qui sera donné par les Christoliens. Je vais mettre sur le côté gauche et c'est dedans. L'équipe, le but encore, Valentin Mann. On le revoit sur le ralenti. L'appareil, hein, c'est précis. On a révisé les gammes. Le but nîmois. Il est signé l'excellentissime Nicolas Nieto. On essaye le lob et c'est dedans, mais c'est bien joué. On s'énerve et on défend assez haut aussi hein, pour encore le but Créteil. Avec les supporters hein, qui donnent de la voix pour essayer de donner quelques forces encore au Nîmois. Ouh, il tombe dessus, Et c'est encore un arrêt. Mais quel gardien, Mickaël Robin, quel gardien ce soir. Mais c'est efficace, c'est clair, c'est net, c'est... Bah bravo, tout simplement, là, c'est vraiment top. Et donc si Strasbourg ou Célestin rejoignent la Ligue de Star League l'année prochaine, effectivement, je serais pas très objectif. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas le cas. Et c'est Créteil qui a quelques secondes. Le nouveau but est là. Je pense que c'est terminé pour cette équipe. Et voilà la victoire de Créteil ce soir ici au Parnasse à Nîmes. Magnifique victoire de Créteil. On ne les attendait pas forcément.